Salam alaikum wa rahmatullah, que la paix soit en vous, inchallah, vos proches, vos parents, vos êtres chers, vos frères, vos soeurs, vos cousins, vos cousines. Donc comme d'hab, ça me touche, hein, tous ceux qui mettent des commentaires, merci à vous, merci aux nouveaux abonnés, aux anciens abonnés, comme d'habitude. Merci pour tous ceux qui mettent des pouces vers le haut, tous ceux qui partagent, qui like et qui donnent la force à la chaîne, hein. Franchement, il n'y a pas de doute, sans vous, ben, je ne serais pas là, comme d'habitude. Hein. Donc heureux aujourd'hui, puisque là je viens d'enchaîner, Timal, volume, rapport 3... Putain, combien? Deuxième rapport, j'ai fait, là, il est en train de se télécharger. Là, on est sur le quatrième rapport de Tibal, donc voilà. J'espère que vous apprécierez. Alors, après, je sais pas ce que je vais enchaîner, comme d'hab. Mais le truc, c'est le temps que ça télécharge avec leurs robots qui écoutent, Zarma, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, bref. C'est MDR, comme d'habitude, hein. Let's go. Ça prend trop de temps, les téléchargements, ils m'énervent. Mais peu importe la connexion, hein, c'est les robots, quoi. Moi, je les surveille, leur délire, à chaque fois, je fais que ça de surveiller. Ouais, la nuance du truc, déjà, deuxième rapport, je trouvais plutôt pas mal, après le texte, je trouvais pas révolutionnaire, mais l'ambiance déjà sombre avec la voiture de police, je le trouve déjà plus gros sur la façon qu'il pote. Ah non, 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 délabré. Dirait que je kiffe plus celui-là, quand même, en direct. C'est fou. Envie d'avoir d'amour, je vois la police évidemment, nanana, c'est démentable. Si t'es rebeu, si t'es trop condamné, un délire comme ça qu'il a dit, en plus la force qu'il a dit, j'ai du mal à comprendre. Si t'es rebeu, t'es trop condamné, ou un délire comme ça, ouais. Il a géré ses séries freestyle. Ah. Ça c'est dingue, en mode de tune comme ça, les refrains comme ça. Toujours avec ses bouteilles de Sky, ses zik, Jack Daniel, ça mérite, il fait de la publicité. Ouais. C'est qui dans le clip, hein, son poteau là? ISK. Bon, derrière. Il parle, Jack Daniel de la veille. Encore défoncé de d'hier, nanana. Ouais. C'est trop, quand tu vois, il y a des choses, tu peux dire, mais après, putain. C'est trop ça, après c'est tout, il a fait, mais bon. Ouais. Dans les sons comme ça, malheureusement, ça parle que de drogue et d'alcool et des femmes un peu, voilà, encore. C'est malheureux de dire ça, après c'est son style, hein, c'est tout, il fait ce qu'il veut, comme d'hab, hein, bon. Tu vois, c'est un mec qui militera jamais pour l'humanité, quoi, tu vois, il va jamais faire des sons sur des génocides ou quoi, tu vois ce que je veux dire, après c'est chacun son délire, hein. Mais c'est relou, c'est une catégorie de rappeurs qui vont toujours faire la même chose, entre parenthèses, tu vois ce que je veux dire, même s'il a évolué, hein, franchement. Depuis hier, malheureusement, je voulais faire envoyer un vrai son greffé en studio sans remasteriser, tu vois, parce que je suis très fort en délire comme ça. Et ben, je constate depuis hier sur YouTube, en gros, parce que moi j'ai pas de matos. Et en gros, quand j'enregistre mes propres sons de studio, comme j'ai pas un système pour envoyer sur YouTube, j'ai pas de PC, je fais quoi? J'enregistre aux armes comme si je filmais une table et tout en noir, et je l'envoie comme ça, là, avec le son que je ne mets pas au-dessus, j'appuie dessus. Et ben, ça marche plus, c'est impossible, j'ai pas compris, je sais pas, il y a eu. J'ai réessayé plein de fois, 10 fois, j'étais furieux. Là, avant, je le faisais normal ce truc, hein. À chaque fois, même si j'avais pas beaucoup de vues, je voulais faire écouter aux gens et tout, mais
Je suis dégoûté, je peux pas le faire, donc je pourrais même pas vous faire écouter les sons que j'ai déjà fait. Des sons explosifs, sauf si vous cherchez sur ma chaîne les titres, mais bon. Bonne chose, bien sûr, si on a qui a le courage de le faire. J'ai fait des sons violents. Moi, je peux faire tout, je peux te parler de vécu, de la zone, je peux te parler des trucs de guerre, de plein de trucs. Moi, j'ai fait des sons, mais j'ai déjà fait de la boom bap, du trap, du hardcore, du drill, du conscient, du mélancolique, du post-apocalyptique, comme j'appelle, bref. J'ai fait des trucs de malade. À l'époque, j'ai fait des freestyles. Des freestyles de mal que je referai plus jamais, en fait. Des freestyles qui sont tombés comme ça, hein, en improvisation. Il y a des instrus qui me parlent, quoi. J'adore pas du tout les rappeurs qui se mettent torse nu dans leur clip en général. C'est un truc. C'est quoi le délire? Ouais, je suis un homme. Ouais, on s'en fout, que tu sois musclé, pas musclé, ou gros, ou mince, ou je ne sais quoi, je m'en bats les couilles, mec. Je regarde pas les clips pour voir un mec torse nu, c'est une blague, quoi. C'est quoi ce délire? C'est une mode de merde, ça. Ça venait des Américains comme Rick Ross à l'époque, là, qui faisait 150 kilos de bidoche avec ses clips, avec les femmes. Wesh, le mec, il avait des barres, faut arrêter, c'est dégueulasse. Franchement, dégueulasse, avec tous ces tatouages partout, là, il est sérieux. Rick Ross, il était perdu ce mec, je sais pas. Hein. Bon, comme d'hab, validez un maximum de pouces vers le haut. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce freestyle de l'époque d'il y a 4 ans. Après, ça, c'est un son que j'écouterai pas toujours. À l'époque, je l'écoutais, hein, moi, je sais pas. Je l'écoutais ce son-là, à l'époque, il y a 4 ans. Je l'écoutais 3-4 fois, tu vois. Mais j'écoutais pas plus les paroles, tu vois. C'était en mode adrénaline, comme on dit. Il y a des sons, moi, je les écoute en mode adrénaline, tu vois ce que je veux dire. Le texte, on sait très bien que c'est pas un texte révolutionnaire. Donc en tout cas, merci à vous, merci à tous ceux qui soutiennent, les abonnés, les anciens abonnés, les nouveaux abonnés, merci à tous ceux qui mettent des commentaires et qui partagent. Big up à vous, force à vous. Je sais pas, qu'est-ce que je vais mettre à présent de la Frisco Orléans, je crois que j'ai tourné presque au maximum hein, sur les sons de Frisco Orléans. Mais c'est toujours les vues que j'ai, c'est quoi? C'est sur les freestyles que j'avais fait, les freestyles de ZKR, Frisco Orléans, des rappeurs plus connus de l'époque, de actuellement, quoi. C'est dur à trouver des trucs pour que les gens ils suivent tout le temps le move, c'est ça qui est énervant sur YouTube, c'est énervant, ils suivent par rapport à un titre. Je sais pas, on verra. Donc merci à vous. Salam alaikum wa rahmatullah. Ciao.